Et bonsoir à tous et à tous, c'est JMD et Monsieur Texor qui vous présente un nouvel épisode de SmackDown Live. Bonsoir à tous et j'espère que vous êtes chauds pour le dernier SmackDown avant TLC. Et on commence tout de suite avec Monsieur Sami Zayn qui rentre dans l'arène. Sami Zayn dont on le sait, Sami Zayn dont on le sait à TLC aura un match pour le nouveau titre. Enfin, ça sera la finale du tournoi entre lui et Samoa Joe. On va couronner le premier champion de ce titre. Est-ce qui sera dévoilé, je vous le rappelle, la semaine prochaine pour vous à Tables, Ladders and Chairs. Ça serait quand même une consécration pour lui d'être le nouveau champion. C'est vrai que ce serait quand même une grande consécration, surtout face à un adversaire comme Samoa Joe. Le premier champion. Il pourra dire, j'ai été le premier champion au moins de quelque chose. Samy, en tout cas. Au moins, il sera le premier quelque part. Voilà. Il a peut-être quelque chose à nous dire, alors attendez, on va l'écouter. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je vais juste faire passer un message à Samoa Joe. À Chelsea, on va se battre pour le nouveau titre de SmackDown Live. Et je vais gagner et enfin toucher l'or ici à la WWE. Je vais te laisser aucune chance de gagner ce dimanche. Ça sera l'heure de gloire du underdog. Ça sera l'heure de gloire de Sami Zayn. Et le message est très clair. Dimanche, Sami Zayn gagnera ce titre. Enfin pour lui, il va gagner. Il est quand même assez déterminé, peut-être même un peu trop arrogant. Attention que cette arrogance ne lui fasse pas perdre le match. Comme alors Triple H. Lors du TLC, tu devras défendre ton titre. Tu seras opposé à Kevin Owens et Kalisto dans un Elimination Table Match. Et quel match quand même, c'est un triple threat match pour le titre intercontinental entre trois superstars. Mm-hmm. Alors on accueille enfin qui a sa mallette, monsieur Apollo Crews. Apollo Crews qui vient enfin avec une mallette. Mais cet épisode il est exceptionnel, Apollo Crews a pour la première fois depuis SmackDown, depuis la reprise. Apollo Crews vient avec sa mallette et il a quelque chose à nous dire, parce qu'il est venu même avec son micro. Il est bien avec deux choses aujourd'hui. Écoutons ce qu'a à dire Apollo Crews. Ce dimanche, c'est TLC. Notre GM n'a rien de prévu pour moi. Alors je vais faire un Open Challenge lors de TLC. Et ce soir aussi, je lance un Open Challenge. Alors, quiconque veut prouver qu'il est plus fort que moi se ramène ici pour m'affronter. Allez, je t'attends. Apollo Crews qui balance des Open Challenge comme ça. Voilà, un ce soir et un à TLC. Mais c'est Tangaloa, le membre des gods, des Gorillas of Destiny, qui vient en Tangaloa. Carrément. Sion Bicycle Kick ici de la part d'Apollo Crews, opener de la soirée. Tangaloa ou quel Tangaloa, vous même. L'appelez comme vous voulez. Entre quand même deux gros superstars. Saito Suplex ici de la part d'Apollo Crews. Mr. Money de Bank qui du coup aura un match à TLC, hein, un Open Challenge. Lui qui de base était dans le tournoi, hein, pour ce nouveau titre, s'est fait éliminer. Et on verra s'il décidera de cacher ou non sa mallette à TLC. Ou est-ce qu'il la gardera encore. Qui sait, c'est qui ça, sait. Pour cela, il faudra regarder TLC. J'espère que vous serez là lundi dans deux semaines. Pour TLC. Sion, là. En enchaînant les bombes. Il va enchaîner, Powerbomb. La troisième Powerbomb de ça. Pour le Crews. Attention, Boston Crab ici. Attention, alors, c'est Tangaloa quand même. Cherchard contre Apollo Crews. Directement le coup de pied, directement dans la poitrine d'Apollo Crews. Et il est mort sur Twitter. Samoa drop. C'est un petit peu un running Samoa drop quand même. Hein. C'est un mix entre, ouais. Sur le coup des têtes porté par Tangaloa.
Tangaroa, hein, qu'on le sait, fils du Hall of Famer de la WWE Haku, donc, qui est samoan. Hein. Il a ça dans le sang. Les Samoans, c'est pas ce qui manque à la WWE, j'ai envie de dire, hein, quand même. Hein. Mm-hmm. On a connu la famille des Anoa'i, hein. Famille d'ailleurs, nous fait partie Liu Soo et Roman Reigns, notamment, actuellement à SmackDown Live. Et l'enchaînement de droite directement d'Apollo Crews sur Tangaloa, quand même. Puis de droite, les Mr. Money in the Bank. Des 10 coups de poing autorisés, on va dire, si on peut dire comme ça. Ouais. Attention, contré par un Fireman Scary ici, Apollo Crews qui est en difficulté ici contre Tangaroa. Le Tangaroa, c'est pas les mêmes, les mêmes puissances que celles d'Apollo Crews quand même. Bah oui. Attention, les deux superstars sont à l'extérieur du ring. Ouais. Une petite balade toutes les deux à l'extérieur du ring là. Il y a Apollo Crews qui est rentré en ring. Ah, il a sauté dans le vent. Il est loupé. Il a sauté dans le vent. Je pense qu'il voulait passer par-dessus les cornes, malheureusement il n'est pas arrivé. Et par exemple, ce super. Oh là là, directement à ton gars qui était à l'extérieur du ring, il attendait on ne sait quoi, mais il a pris un super kick dans la tête là, directement là. Ah, il s'est fait calmer. Hein. C'est clair. Il s'en va pas. Oh là là, Samoan Drop. Il lui a rendu, hein, le Samoan Drop. Il en a pris un, il en a rendu. Hein. Là, il remonte pour ne pas finir le match sur un contrat extérieur quand même. Il a voulu agresser l'arbitre. Ah, pour le Crews, il a voulu agresser l'arbitre. D'accord. Un membre. Et là, il s'amuse un petit peu dans son ring. Et on attend bien qu'il a pas envie de finir le match, je crois. Et là. Et le. Il a envie de se barrer, carrément. Il prend des droites, mais Apollo Crews n'est pas d'accord. Attention, ils sont à l'extérieur, hein, surtout. Attention des comptes extérieurs, attention à prendre un des comptes extérieurs quand même. Oula. Ouh, Russian Leg Sweep sur la rampe de la part. Apollo Crews. C'est le moins line de bank. Et ouais, regarde ton gars, je pense, voilà. Regarde ton gars, il a pas envie de finir ce match, il a envie de rentrer au vestiaire, Je vois pas pourquoi il finirait sur un décompte s'il est venu faire cet Open Challenge, je vois pas l'utilité en fait. Ouais, Apollo Crews qui ramène ton gars directement dans le ring. Eh mais attention, oula, ça serait vraiment con hein, quand même, qu'Apollo Crews de faire comme ça. C'est Andy Gary qui est lancé. Stand up à Andy Gary. Attention, et à droite directement. Sur le bouton. Attention, il va y aller pour son Silla Powerbomb. Silla Powerbomb, c'est fini. Boum. Je pense. 1, 2 et 3. La victoire d'Apollo Crews. Le match a été. Il a duré quand même parce que. Ouais, ton gars était à l'extérieur du ring. Autrement, le match a été vraiment rapide. Apollo Crews a survenu ce match. Hein. Je pense que. Il pourrait avoir un match un peu plus intéressant quand même à TLC. Hein. Mmh. Il mériterait d'avoir un match face à une superstar quand même avec un peu plus d'envie, qui vient avec un peu plus d'envie parce que là Roi Tonga on a l'impression qu'il est venu presque parce qu'il était même obligé de venir. Il n'est pas vraiment envie de combattre aujourd'hui. Hein. C'est ça exactement. Il y a Apollo Crews qui ressort de SmackDown Live avec une petite victoire. Et la première. Ah, et ce soir on nous annonce. Un handicap match entre les frères Wyatt, deux membres de la famille Wyatt, Luke Harper et One, face à l'ancien membre des Wyatt qui les détruit depuis plusieurs semaines. Le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Et là, c'est l'American Alpha qui rentre. Il rentre à deux. Ils sont jamais séparés. Et bah oui. Séparables. Hein. Chad Gable. Il va affronter. Combien venir Jason Jordan derrière. Et Chad Gable qui devrait affronter AJ Styles ce soir. Quel match quand même pour Chad Gable. Il a l'occasion de se faire. Il a l'occasion de faire ses preuves en solo quand même. Hein. On l'a vu pas mal en équipe avec Jason Jordan. Et là, c'est peut-être. On va voir comment il va se débrouiller contre le Phenomenal One. Le World c'est peut-être champion. Le moment pour lui. De montrer que même en solo il pourrait se débrouiller à la WWE. Et attention hein, j'espère que le match se finira quand même hein, parce que on rappelle ces dernières semaines Rings était trop présent même. Mais rappelons-le Triple H a posé une clause. Voilà, c'est
C'est-à-dire, si Reigns s'approche de Styles ou que Styles s'approche de Reigns, pas de match de championnat pour Reigns. Je pense que c'est pour ça que Styles a un match ce soir, hein, quand même. Parce qu'il y a cette clause. S'il n'y avait pas eu cette clause, je pense qu'il n'y aurait pas eu de match. On va directement passer au match. Et c'est Styles directement qui... À la souplesse, peut-être. Et non, c'est contré. Non, ce sera une souplex neckbreaker. Styles qui commence plutôt bien ce match. Le champion quand même, le champion du monde de SmackDown quand même. C'est la superstar la plus importante à SmackDown quand même. Oui. Belle actémie de la part d'AJ Styles. Hein. Qui d'ailleurs, petite parenthèse également, qui reveut Finn Balor. Attention, hein. La clé de clé dedans. Un mix entre une ouais. Enfin, cette prise appartenait à un ancien membre quand même du ressort de la WWE, Austin Aries, de Hans de Harris, il appelait ça. Last Chancery. Avec les deux Gable. De Chad Gable qui tente de revenir quand même dans ce match, voilà. Tente de prendre la santé psychologique dès le début, je pense. Et pour revenir à tout à l'heure, hein, Styles, il n'a pas seulement à Reigns de ses soucis, hein, parce que, rappelons-le, à Raw, il a fait une petite apparition surprise. Disant qu'il était un partout avec Finn Balor et qu'il veut Finn Balor et AJ Styles 3 à voir ensuite où on l'aura. Le petit cadeau qui avait été tenté, mais bon, c'est pas passé. Parce que Chad Gable était dans les cordes, attention, à souplesse encore attention. Une fois. Ouh! Ah, ça par contre, Balor connaît bien, c'est un Bloody Sunday. On verra si Balor interviendra aujourd'hui ou si dans les semaines à venir, il y aura un match entre les deux superstars. En attendant, rien n'est prévu, rien n'a été annoncé par la WWE officiellement. C'est juste AJ Styles qui a lancé un challenge, hein. C'est tout. Et attention, Styles d'ailleurs qui revient! Oh là. Mais quelle puissance! Oh, il lui a décollé la tête, attention! Le plus fort, le plus fort! On voit quand même qu'AJ Styles, il en a gardé hein, de son passage au Japon. Cette l'arigato! Le finish par Sparotable de la part d'AJ! Ah, une de ses premiers, finishers! Un, deux, et non, simplement deux quand même. Chad Gable qui arrive à se dégager. Il est encore un peu tôt dans ce match quand même, oula. C'est quand même assez tôt quand même, même si c'est que Chad Gable. Attention par contre. Chad Gable qui fait passer. Justice par-dessus la troisième corde. Et le combat extérieur du ring, on a déjà eu un combat extérieur du ring tout à l'heure. On espère qu'on n'aura pas le même combat quand même parce que. Mais mine de rien, une victoire par des comptes extérieurs pourrait bah, tourner en faveur de Styles, hein, puisqu'on le sait. Si elle s'y approche, hein, c'est dans une semaine et le mieux pour lui, ça serait de rester en forme. Ah, c'est vrai qu'il peut qu'il ait des petites blessures jusqu'à TLC quand même. Et là, regardez, il l'a tendu. Oula, attention, AJ. Il va directement travailler sur le bras d'AJ là. Il travaille sur son bras gauche. Attention, pour dire ça, d'éviter la blessure quand même. Ça serait bête de se blesser à une semaine de TLC quand même. Non, ça, c'est sûr, si il se blessait, ça avantagerait fortement Ring, je pense quand même. Mais oui. Déjà qu'il est blessé de base, Styles, après les attaques de Reigns. Et Reigns qui n'y était pas allé de main morte, hein, quand même. Et la Chad Gable qui essaie d'arranger un peu la foule, qui essaie de mettre la foule de son côté. Et ça qui lui fait redescendre sur terre, attention. Attention, Pop Handle Gunbuster d'à part DJ. Et ce, voilà, c'est un petit peu un brise-marquant. Gable qui revient avec un forearm qui monte sur la troisième corde. On voit pas beaucoup, hein, Chad Gable du haut de la troisième corde. C'est plutôt rare le souligner. Oula, attention le champion. Attention à ne pas perdre. C'est vrai que si Chad Gable venait à gagner ce soir, il pourrait être poussé un petit peu plus haut. Attention, le coup d'avant-bras directement sur Chad Gable. Et quand même, Styles, quand il frappe fort quand même. Et attention, AJ. Attention, peut-être un Styles Splash direct. Non, position powerbomb. Non,
Non. Parce qu'il a mis un peu trop de temps là quand même, AJ. Ça a trop attendu hein, quand même. Hein, parce que voilà, faut pas trop attendre non plus. Hein. Parce que Chad Gable qui va projeter AJ contre le coin. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, ça on le connaît. Seth Rolling, German Suplex. Regardez, Chad Gable, magnifique. 2,99 ici. De la part de Chad Gable. Parce que là, j'ai bien regardé encore une fois la projection à l'extérieur du ring sur ce coup de la corde à linge exceptionnel de Styles. D'ailleurs, c'est Chad Gable qui avait projeté. C'est vite énervé. Voilà, le moonsault de Styles sur le sol, tout simplement. Voilà, il a moonsaulté le sol. Il nous a fait une petite kiss, Lee, là. Hein. Il a pas évalué les distances. C'est ça. Entre Apollo Crews qui saute dans le ring tout seul et à Rousseau. Magnifique. Pelly kick. Les kicks là. Ou la papinade hein, pour les Français. Disait entre Crews qui saute dans le ring tout seul et Styles qui rate son moonsault. Et attention, il va en finir la Styles avec un énorme non-for-all. Énorme non-for-all, c'est fini. 1, 2, et 3. C'était évident qu'il allait ressortir avec une victoire. Mais mon Dieu, que Chad Gable s'est très bien débrouillé dans ce match. On a cru hein, pendant quelques instants que Chad Gable pouvait le faire, notamment ici sur ce moonsault. Ou encore peut-être, j'espère avoir un replay de ce Rolling German Suplex. Ouais, voilà, c'est vrai ici, que... ici. Chad Gable avait la possibilité, bah, sur cette action par exemple, de gagner ce combat, mais voilà, Styles de capitaliser hein. En toute fin quand même. Regardez, 2. Et là, l'arbitre allait taper. Et 3. C'est du 2,99. Et là, mais à la fin, Styles. C'est fini là. Styles qui a complètement. Qui en finit sur Chad Gable. Lui qui récupère quand même une victoire importante. Hein, même malgré le fait que ça soit Chad Gable, il revient quand même de blessure, AJ. Donc. C'est plutôt ouais, positif c'est... ici de la part du Phenomenal One de Est-ce repartir ça fait bien, ça fait du bien au moral quand même de gagner tout après un retour de blessure. Hein. Surtout avant un match face à Rins quand même, Rins qui n'est pas une moindre superstar. Hein. Alors que là, Sasha Banks, qui je vous rappelle à TLC, voilà, affrontera Alexa Bliss pour le titre des Knockouts Champion. Alexa Bliss. Elle joue pas dans un tables match en plus. C'est-à-dire que ça fait déjà le deuxième match à stipulation qui est enfin, de la soirée. Même si celui-là n'a pas été. Deuxième match de table plutôt. On va faire deux et matchs de table. Et là ça sera un match de table avec des women en plus. C'est quand même assez rare à la WWE quand même. Et là on accueille Naomi. Naomi qui rentre sur sa petite entrée. Est-ce qu'elle a un match de prévu ce soir? Si, elle va affronter une autre Samoane. Une destructrice dans. C'était une des plus destructrices dans la division féminine. Et vraiment, je pense que s'il y a match, ça pourrait se terminer très vite quand même. Hein, parce que se terminer, on n'est jamais sûr de la durée du match. Hein. Et tu brises ma mâchoire directement de Naomi comme ça. Là ça commence vite hein, entre les deux. Très vite entre les deux women, je pense que voilà Naomi a envie d'en finir vite et de prendre l'ascendant psychologique très rapidement dès le début du match. Sur forearm dans le dos de la part de Naomi. Qu'est-ce qu'elle fait? Et le coup de coude directement dans la nuque. De Tamina là, et encore un coup de coude. Un deuxième elbow. Attention, Rukurana apporté par Naomi. Tamina qui se réfugie dans les cordes. Elle va se réfugier sur le tablier du ring là. Et c'est contre Naomi qui a voulu lui mettre un coup de poing et c'est contré. Tamina qui va revenir. Elle a mis un peu trop de temps aussi. Hein. Sur Tamina. Oulala. C'était limite une argentine rack. Attention Tamina. Elle descend de la cuisse. La running leg drop de Tamina, attention Tamina qui monte sur la deuxième corde et la descente de deuxième endroit.
C'est vrai que Tamina, elle a pas l'habitude de voltiger un peu comme ça, de faire des descentes comme ça, mais c'est vrai que mais quand elle le fait, quand elle quand le elle fait, le fait, ça fait c'est mal. efficace. Hein. Encore une C'est fois, Naomi qui revient avec un Naomi qui autre revient ciseau de très vite dans le tête. combat. Naomi qui arrive quand même, qui a cette faculté à toujours revenir assez vite dans les matchs hein, quand même. Hein. Et là par contre c'est contre avec cette droite de Tamina et Tamina qui ouais. Attention, attention par les cheveux. Elle a jeté Naomi comme un vulgaire sac de pommes de terre quand même. Tamina qui monte sur la troisième corde. Est-ce qu'elle va me faire mentir quand je disais qu'elle elle voltigeait très rarement? Oh, directement cette droite, elle oh, monte sur la troisième corde. Droite. Et cette, oh, oui, cette descente de la cuisse loupée mais en même temps réussie. Semi-raté. Elle a touché la cible, elle pense que ça fait mal. Et attention, cette Tamina. Non, elle s'est fait contrer, elle s'est fait contrer Naomi. Attention. Naomi, la souplesse de Naomi. Saito souplex. Voilà, on vous le rappelle. Hein. Le 18 décembre 2017, à Cleveland, le prochain pay-per-view et un pay-per-view exclusivement SmackDown. NXT, TLC. Et je vous le rappelle, le 1er janvier. Et bah, en attendant, moi et Texan, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. J'espère que vous passerez de très belles fêtes du Noël et du Nouvel An. Bien sûr, ne mangez pas trop. Il faut garder la ligne. Mais donc, on va revenir sur ce match parce que. Voilà, sans son Naomi et c'est contré. Tamina quand même. Ça met des petits contres un petit peu de temps en temps là. Elle s'amuse un petit peu Tamina, elle joue un petit peu avec les nerfs de Naomi. J'ai mal avec les superstars aujourd'hui moi. Mm-hmm. Attention la Naomi qui va descendre Tamina peut-être. La souplesse sous la troisième corde. Oh, attention, le tentative de tomber. Et 1, 2, et en simplement 2. La Tamina qui est quand même assez résistante, mais c'est vrai que cette souplesse de la troisième corde, elle aurait pu finir un match quand même. Mm-hmm. Et attention à Naomi. Et encore une fois, il va ramener encore une fois Tamina dans le coin. Et là, c'est contré la Tamina qui revient directement avec un coup de coude. Oh, c'est ce coup de boule. Une série de headbutts. Oh là là là. Ces coups de tête de Tamina qui sont venus fendre le crâne de Naomi. Et attention, non, le super kick fut contré, non. Le Dragon Sweep. Et attention, Naomi, tu relèves Tamina. Justement, on pourrait essayer à la contrer. On la balance dans le coin. Parce que là, son Naomi. Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce split legged moonsault peut-être? Oui, split legged moonsault de la part de Naomi. Est-ce que c'est tout? Est-ce que ça va tenter de tomber? Elle va tomber juste derrière. 2. Et Tamina, ça fait deux fois qu'elle se dégage en peu de temps là. Et elle va vite alors qu'elle revienne dans le combat parce que là. Et là, attention, Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être un rear view, non? La tentative de tomber. Non, c'est flip. Non, c'est la soumission. Voilà, la soumission. Attention, la soumission qui est tentée par Naomi. Non mais tente la soumission, attention est-ce que c'est fini. Naomi, et Tamina qui abandonne. Tamina qui abandonne. Oh. Tamina, c'est qui rare hein, quand même. C'est quand même assez rare de voir Tamina abandonner. Hein. Et même sur cette prise, je pensais que c'était fini quand même. Sur cette souplesse du haut de la troisième corde là. Regardez l'arbitre qui va compter 1, 2 et directement elle va se dégager mais 5. Et si ce super kick contrait, heureusement pour elle qu'elle l'a contré parce que si elle le contrait pas, je pense que le match était fini. Hein. Alors que là, on voit ici le split leg moonsault de Naomi qui malheureusement ne va pas suffire. Et encore une fois, Tamina qui se dégage. Enfin, c'est vrai que elle a fait abandonner Tamina alors qu'on s'attendait tous à ce qu'elle fasse un tombé. Elle a retourné sa prise pour. Et là on voit vrai Wyatt. Oula. Dans les backstage, c'est Braun Strowman. Oh Braun Strowman qui est sorti de nulle part. Celui qui s'attaque à la Wyatt Family depuis maintenant plusieurs semaines. Qui est sorti de nulle part. Et on voit qu'il y a Bray Wyatt sur le camion de la WWE au pont, celui. Vous y faites attention.
Sauf que là, il est au sol, le pauvre. Et Braun Strowman qui n'en a plus fini. La semaine dernière, il s'en est pris à Rick Rowan et cette semaine, c'est à Bray Wyatt. C'est Bray Wyatt qui revient, attention, le coup de coude. Oula, avec un coup de coude. Mais non, non, prendre. Braun, il en a pas fini. Sur la caisse, oh là là, mais... La caisse d'équipe. Faut vraiment faire quelque chose et l'arrêter parce que là, à cette allure-là, il va... Mais où sont Luke Harper et Rowan? Où sont Harper et Rowan? À cette allure-là, il va détruire la Wyatt Family. Il ne restera plus que lui, hein. Et je pense que c'est ce qu'il veut, hein. Attention, ouais. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est quand même con. Il a détruit Luke Harper, il me semble, il y a deux semaines. Rick Rowan la semaine dernière et cette semaine. C'est Bray Wyatt, mais vraiment, c'est Bray Wyatt, c'est quand même son père. C'est lui qui l'a fait rentrer dans la famille. Je comprends pas comment c'est possible qu'il ait autant de rancœur et autant de haine envers lui, quand même. Hein. C'est quand même lui qui t'a permis d'exister, de se faire connaître dans le monde du catch, quand même. Quand même. Mais sauf que Braun, depuis, il a appris beaucoup de choses et s'est beaucoup amélioré. Il veut faire carrière en solo et je pense que ça lui restera plus. Bray Wyatt, voilà, Bray Wyatt, il sentait que Bray Wyatt... L'agent de sécurité qui est dans sa loge et qui ne sait pas quoi faire, il n'ose même pas intervenir. Attention, il va le projeter directement dans la limousine. Les limousines ne sont pas faites pour rester au superstar normalement. C'était ça. Ils sont censés ramener les superstars, pas censés les deux agents être utilisés comme armes. Ils ne savent pas quoi faire, ils restent dans l'horloge, ils osent même plus intervenir. Hein. En même temps, face à un monstre comme ça... C'est deux monstres là. Non, c'est deux monstres. Et effectivement, c'est quand même deux gros monstres. Il y a un petit travailleur là-bas, version camion là-bas. Il se cache. Oh, cette tasse. Le coup de la corde à linge de Strowman, enfin... Même un vulgaire coup de la corde à linge avec lui deviendrait une arme de défense. C'est un coup de câble à linge. C'est même plus une corde à linge, une câble à linge. Attention, ouais, le coup de pied là, sur le bras. Oh, tu reviens sur avec ce coup d'avant-bras là. Et à chaque fois qu'il revient, regardez, à chaque fois qu'il revient, attention. Oulala, là là, attention. Oh là là, Braun qui il a quand même tenté un choc slam sur Braun Strowman. Enfin. Attention, la powerbomb. Enfin, la powerbomb quand même sur le sol en béton, quand même là. Non, pas sur la voiture. Oh là, non. Bah, sur le sol en béton. Voilà, oh, cette powerbomb derrière des brevets qui n'ose plus bouger, qui ne peut plus bouger. Il va finir paralysé à la fin de cette soirée, je crois. Attention. Oula, Braun. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, non. Pas ça. La powerbomb peut-être sur pas ça, Braun. La powerbomb. Non. La Braun. Et on vient juste d'assister à la séparation des Lucha Dragons. C'est quand même quelque chose. Hein. Et là, l'homme qui vient littéralement de briser Bray Wyatt, qui se ramène dans le ring. Ah, il peut enchaîner des matchs apparemment. Hein. C'est clair, il est encore frais quand même. Il est chaud là. Il agresse Bray Wyatt dans les backstage, puis après il enchaîne sur un match. Ah, il va se payer la Wyatt Family en une soirée. Non, même pas. Peut-être même en l'espace de 5 minutes, il va se payer les 3 membres de la Wyatt Family, qui sait. C'est quand même un monstre et il peut enchaîner des combats. Ce qu'il affronte, mais contre qui va-t-il combattre? Bah, Harper et Rowan. Un match handicap. Et, la question, est-ce qu'ils seront là hein, après les attaques? Je pense que oui. Ils vont arriver blessés. Ils vont venger leur... Leur patriarche. Leur père. On va voir si Strowman va réussir à gagner, enfin à battre la Wyatt Family en une seule soirée, à détruire Bray Wyatt et puis battre les frères Wyatt, si on peut appeler comme ça. Et ils arrivent. Harper à gauche, Rowan à avec son droite. De brebis, de moutons avec des câbles qui sortent de nulle part, des tuyaux qui sortent de nulle part.
J'aimerais pas avoir une phobie comme ça, moi, je te le dis. Hein. Arthur et Rowan, qu'on peut les appeler d'ailleurs les frères Matraqueur, mais il faudrait toujours rappeler qu'ils sont dans la Wyatt Family. Cette famille complètement dérangée et maintenant complètement brisée. C'est vrai que cette famille était quand même une famille forte de la WWE avant et maintenant elle vaut plus rien. Et oh là là! Et dès le début du match, ce coup de du Black Mandalin, je. Oh là là! Braun Strowman, il est chaud ce soir. Il a ramené Harper à l'intérieur du ring aussi là. Ah, mais je pense qu'on peut lui mettre 2, 3, 4, 5 superstars, je pense que. Pour lui, c'est pareil. Hein. Et regardez, il arrive à gérer 2 superstars d'un coup. C'est ça. Oh, le fantasme. Mais comment il arrive à porter Eric Rowan? Et avec une telle facilité en plus. C'est pas mais regardez-moi ça. Eric Rowan est l'un des rares catcheurs dans ce roster de ce SmackDown Live à pouvoir regarder Strowman dans les yeux et le balance comme si c'était un sac de patates. Mais Strowman, c'est vraiment la superstar la plus destructrice. À la WWE, je vois pas qui pourrait être plus destructeur que lui quand même. Hein. Même la bête, comme on l'appelle, la petite bébête Rock Star, et ben je pense que lui il pourrait pas faire grand chose. Hein. C'est bien pour ça qu'il est à SmackDown. Hein. Son nom à SmackDown, on veut que des monstres. Et je pense que là on en a assez de monstres. Ah, sur ce ring, on a quand même 3 monstres. Mais c'est vrai qu'on a quand même un monstre. Je pense parmi que c'est hommes. Le roi des monstres. Lui, c'est quand même voilà. Le roi des monstres. Celui-là, c'est pas le monstre avec qui tu voudrais rigoler. Hein. Comment il est en train de matraquer Eric Rowan, il est en train de jouer avec lui, vous voyez. Il y a un de Rowan qui rampe, il arrive même plus à se relever, il arrive même plus à marcher. Oh là là, mais regarde, avec une telle facilité, c'est pas possible. Oh là là, Braun Strowman. Non, il s'est fait contrer là. Chose, là. Parce que... Et regarde, encore une fois, non, pas pour longtemps. Il le porte un petit peu comme si c'était son enfant. C'est pas le boss, il a une petite droite. Sur Luke Harper qui n'a rien demandé, Luke Harper qui attendait. Il a rien fait, tout simplement. Il a pris une droite. Et attention, Strowman avec Ayonus Kelkoter. Attends, je suis tombé. 1, 2, et c'est contré par Luke Harper. Il voulait pas quand même finir le match et... Ah. Oh là là. Là encore une fois, il est ramené. Le pauvre. Ou pas. Oh là là. Oh non, ne dis pas. Ne dis pas que... Est-ce qu'il va tenter? Il va tenter. Oh la vache. Attention. Et le double splash. Oh là 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 là. Double splash ici. De Braun Strowman. Plus de respect pour la Wyatt Family, mais attention. C'est une véritable domination. Oh là là là, non. Oh, Rowan a été sauvé. Le pied sur la corde quand même, mais... Je pense que c'est fini. Je pense pas que c'est un réflexe, c'est juste que son pied était sous la corde et puis c'est tout. Et attention, Strowman. L'enfourchement de Strowman. Mais c'est vrai qu'il y a la facilité avec laquelle il arrive à soulever Juan, c'est quand même à l'air. Oh là 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 là, oh, attention à cette droite. Oh, cette droite. Tout en puissance de Strowman. Et le coup de pied directement dans la poitrine comme ça. C'est vraiment très douloureux pour les superstars quand même. Et encore une fois, le deuxième. Et on rappelle quand même que Luke Harper n'a pas. Oui, il a toujours pas fait le changement. Il s'est fait éclater par Strowman sans avoir pu combattre encore. Attention, Arthur Rowan qui revient. Attention. Et voilà, c'est peut-être le moment. Il arrive. Hein. Quand on disait qu'il. Et voilà. Oh, directement. Oula, attention, Luke Harper. Oh, non, pas pour longtemps. Il aurait pas dû faire ça, lui. Strowman qui l'a un peu rappelé. Qui lui a rappelé, c'était qui le patron. Oh, Jean. Ce kick de Strowman, mais. Oh! Il est en train de massacrer la Wyatt Family. Il a massacré Bray Wyatt tout à l'heure dans le parking et là. C'est trop mal qu'il réalise quand même des prises assez spéciales quand même pour un catcheur de sa taille quand même. Et attention. Oh Eric Rowan qui a voulu sprinter sur Roman. Pour reprendre une expression de Christophe Hatchis, il s'est pris le bus dans la gueule. La prise de l'ours, si on peut l'appeler comme ça. Oui.
D'Oberhog. La prise là, de. C'est un reverse chicken wing et ça abandonne. Il abandonne. Eric Rowan a dû dormir. Eric Rowan a tout simplement été faire dodo. Il s'en est allé au pays des songes. Mais c'est vrai que cette domination. Oh là et là il n'y a pas fait grand chose en fin de compte dans le match. Il est rentré, il a fait un tag et il est reparti. Il est revenu, il est venu, il a vu et il a vaincu. Et il a perdu. C'est ce qu'il il a perdu. Non, je parle de Strowman. Ah, du coup, il parle de Carter. Non, regardez non. Regardez là, Rowan qui essaie de se dégager et puis on va voir à un moment, il s'est arrêté de bouger. Regardez. Hop, voilà. Et là, il a perdu conscience, il a perdu conscience, tout simplement, Texan. Il a perdu conscience. La OES Family ne devrait plus avoir conscience tranquille maintenant. Hein. Je pense qu'ils devraient tous perdre conscience maintenant, tout de suite même. Je me demande d'ailleurs si leur conscience est intacte, hein, parce que déjà qu'ils sont fous de base, mais là ils sont morts. Hein. Ils sont morts après cette correction que leur a donné, entre guillemets, leur petit frère. Je pense que c'est plus un grand frère maintenant, en termes de taille, c'est plus un grand frère quand même. La brosse pointe. C'est vrai. Qui est destructeur. Sans transition, on va continuer le show et on va passer au main event de la soirée. Triple Threat Match. Entre Kalisto, l'ancien membre de Lucha Dragon, si on peut dire comme ça, parce qu'on rappelle qu'ils se sont séparés dans la soirée. Donc on va commencer sa carrière en solo, sa route en solo, dans un Triple Threat Match. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer. Exactement. C'est une entre guillemets route vers la rédemption là pour Kalisto. Vers un titre en solo. Et là. Mais en attendant ce soir, il a deux autres adversaires. Et maintenant on va accueillir le second. L'homme légèrement efféminé, Tyler Breeze. Avec toujours ses costumes un petit peu de star. Comme on pourrait dire là, ce menton en fourrure, ces bottes avec des petits gris-gris dessus. Et toujours sa petite perche à selfie. Prince Pretty. Le beau prince. Qu'est-ce qu'il ferait sans cette perche à selfie quand même? On sait pas. Et on a même vu que cette perche à selfie lui permettait d'avoir un costume de policier à la caméra. Exactement. Et on va bien voir la même. C'est un filtre Snapchat en fait. Voilà, il utilise des filtres. C'est ça. C'est le filtre policier. C'est magnifique. Alors qu'on va accueillir le troisième et dernier catcheur de ce Triple Threat Match. Il s'agit Kevin Owens. Du Québécois et un des challengers numéro 1 pour le titre intercontinental. Et ce soir, Kevin Owens. Ce Triple Threat Match pourrait ouvrir une brèche au vainqueur pour un titre, lequel je ne sais point, mais... Bah déjà, Owens, il a un point commun avec Kalisto, parce que ce sont les deux challengers pour le titre intercontinental. On va dire que le seul qui fait un petit peu de tâche dans ce match, c'est Breeze. C'est Breezy. Ouais. Après, peut-être qu'avec une victoire de Breeze ce soir, il pourrait être intégré au match. Ça pourrait faire un Fatal 4-Way, exactement. Fatal 4-Way match. Et bon, pour l'instant, on va revenir sur ce match. Et voilà, on a vu le super kick de Owens sur Kalisto. Il l'a calmé tout de suite là, Kalisto qui avait essayé d'agresser Owens. Owens qui l'a calmé. Et le Rob Hang DDT ici de la part de Kevin Owens. Avec Breeze qui était posé sur la deuxième corde et le petit DDT de la deuxième corde. Owens qui est quand même une superstar. Je pense que c'est quand même la superstar la plus imposante sur le ring là. On a quand même Kalisto qui est un voltigeur et Breeze. Ce n'est pas un voltigeur, mais c'est pas Owens quand même. C'est ça. Oh, cette powerbomb de Kalisto. De Kalisto. Surprise là. Il l'a rappelé à l'ordre un petit peu. Hein. Attention Kalisto. Attention à écarter le super kick. Le super kick de Kalisto directement. Mais qu'est-ce qu'il fait Owens? Attention, Kalisto qui enchaîne dessus. La powerbomb à l'extérieur du ring. La powerbomb à l'extérieur du ring. Ah,
Calme-toi. On est à peine dans le début du match. On sera à kiff aujourd'hui à partir de maintenant. Attention. Projection dans le poteau. Non, c'était dans les escaliers. Il y a un poteau au-dessus des escaliers. Peut-être que sa tête a touché le poteau. Ah, là, c'est dans les escaliers. Et là, c'est dans le poteau. The stroke de la part de Tyler Breeze. Et la reprojection dans l'escalier de Tyler Breeze. Tyler Breeze qui va rouler Tyler Breeze. Et Tyler Breeze qui projette Tyler Breeze dans la barrière d'insécurité. Directement la face de Tyler Breeze qui est venue s'empaler sur les jambes de Kalisto, sur le tibia de Kalisto même. Petit brise-mâchoire là de Kalisto. Et encore une fois la projection dans les escaliers. T'as vraiment quelque chose avec ces escaliers hein. Ah, c'est pas moi qui projette les gens dans les escaliers, c'est eux. Ouais. Moi je commande juste hein. Ah non, on va s'arrêter maintenant, c'est bon. La projection dans les escaliers encore une fois. Non. Attention peut-être la peau. Non. La powerbomb qui est contrée et voilà. C'est Owens qui va faire passer Tyler Breeze par-dessus lui, par-dessus ses épaules. Il y a le coup de genou directement dans la face de Tyler Breeze. Ok, regardez, ils sont rentrés tous les deux en même temps, assez synchro. Attention, Kalisto qui est projeté. Et non. Oh, ce coup de la corde d'un esquivé, le surpassement de Kalisto. Regardez, Kalisto, hop là. Oula, non, non. Oh, non, là, Cali... descend. Voilà, il l'a jeté. Il l'a propulsé en arrière. Avec Kalisto, je pense qu'il a fait une erreur là quand même. Hein. C'est pas très malin de faire ça pendant un match. Faut jamais faire ça, faut jamais se retourner. Comme ça dans un match. Et Tyler Breeze qui était sur une chaise. Je pense qu'aujourd'hui il est motivé, il veut gagner son match. Oh directement Breeze sur la face de Kalisto et regardez. Attention encore. Kevin Owens qui est KO à l'extérieur du ring, il reste plus que Kalisto dans le ring et Tyler Breeze qui a Kalisto pour lui tout seul. Attention la projection. La projection dans le coin. Et Tyler Breeze qui va peut-être procher. Ça y est, il va faire le sens. Non. Kalisto qui s'est fait contrer. Bien joué, attention. La projection peut-être. Et non, ce net breaker. Reverse DDT. Attention, Rikurana. Tyler Breeze est en feu ce soir. Tyler Breeze, il est chaud, il veut gagner son match. Hein. Je crois qu'il a entendu la possibilité d'un Fatal 4-Way s'il gagne ce match. Je crois qu'il nous a entendu tout à l'heure. Hein. Il veut gagner son match. Hein. Je sais pas s'il t'entend, Exor, mais en tout cas, il s'en fiche. Parce que là, il se fait maltraiter par Kevin Owens. Et encore une fois, il revient la phase de Kevin Owens directement dans le ring. Attention, il nous a fait une jab Jarrett là, mais attention, Breezy, il va le faire. Simplement. Kalisto qui arrive à se dégager. Vas-y, qui monte sur la deuxième corde. Et attention, c'est bien joué. Hein. Le Dracula là, comme ça là. Attention, peut-être. Là, on rappelle qu'il y a quand même une chaise qui est posée dans l'autre coin du ring quand même. Et peut-être là, non, attention. Attention, c'est contré. Le reverse DDT de Kalisto. Attention, regardez la chaise, ils sont tous les deux vers la chaise, là, c'est pas. Attention peut-être. Oh le kick. Ouh, le coup de pied. Là comme ça, le coup de pied directement dans la tempe de Kevin Owens. La tentative de tomber. 1, 2. Et non, ouais, simplement de. C'est quand même assez tôt Owens qui est assez résistant quand même. Qui est beaucoup attention. Les coups de coude alors que la Breeze est. Encore Tyler Breeze qui revient. Ah, il est vraiment motivé Tyler Breeze. Aujourd'hui il est motivé. Ah il est chaud ce soir. Hein. Attention Breezy qui va tenter de tomber. 1, 2. Et 3, non. 2,99 là quand même. Tyler Breeze qui a failli gagner encore une fois. Il est quand même ultra dominateur dans ce match. Hein. J'ai l'impression que c'est son match. Hein. Je crois que c'est son jeu. Attention. Oh, beau contre de la part de Tyler Breeze. Contre de Tyler Breeze, voilà, il est sorti nul par ce contre. Hein. Et puis Noens qui pour l'instant. Kalisto qui partait par un Salida del Sol, il a contré. Profite à Kalisto. Attention, Kevin Owens qui ouvre. Attention. Owens. Attention avec ce package. Oh là là. Package Neckbreaker. 1, 2. Non. Ça sera également un 2,99. Mais attention parce que l'homme qui vient de Montréal. Kalisto, il est KO à l'extérieur du ring. Attention. Attention parce que là, Owens peut remporter ce combat. Kalisto, regarde. Kalisto essaie de se relever avec son ring. Attention, Owens. C'est Owens, attention. Ouais, bon. Qui projette Breeze dans les cordes. Pop, c'est fini. La pop-up.
2 et 3. C'est fini. Kevin Owens qui remporte ce triple threat match. Et je pense qu'il envoie un message fort à Baron Corbin en lui disant que voilà, face à toi, j'arrive à gagner. Donc, je vois pas pourquoi face à toi et Kalisto, j'arriverai pas à gagner tellement. Mais à noter ce soir quand même que Owens a pin Tyler Breeze. Il n'aura pas pin Kalisto. L'autre. Un petit peu la même configuration à TLC, sauf que à la place de Tyler Breeze, ce sera Baron Corbin. Ça sera pour un titre et il y aura des tables. Ça sera un match de table. Le premier qui passera à travers une table perdra le match du coup. Oui. Oui, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs. Un beau match de table. C'est sur cette victoire de monsieur Kevin Owens qu'on va se quitter, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, n'oubliez pas, moi GMD ainsi que Texan, on va se retrouver la semaine prochaine pour TLC. Mais en attendant, ici de San Diego en Californie, on vous dit au revoir. Au revoir à tous. Et. Bon TLC.